Elles sont venues chercher des conseils pour se lancer. Cette dizaine de femmes a un point commun. Elles souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Cette réunion menée par l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique et Initiative 95, a pour but de les aiguiller au mieux. Julie est venue partager son expérience positive. Elle est aujourd'hui son propre patron avec une société de cosmétiques. On nous rappelle bien qu'on est une femme quand on veut créer une entreprise. Ça, c'est... Enfin, dans tous les cas, on nous rappelle toujours qu'on est une femme. Mais faut se positionner. Soit on se dit, bon ben, on laisse les gens nous cataloguer de femmes, de tu restes à la maison, de voilà, c'est pas pour toi. Ou alors tu dis, ok, je suis une femme, mais je vais te montrer que je peux faire autant aussi bien qu'un homme, voire mieux, et que c'est pas parce que je suis une femme. Et justement, être une femme peut-être apporter quelque chose de plus, une sensibilité de plus, une écoute de plus. Et puis, on est faite pour endurer les choses, donc peut-être endurer un peu plus. Micro-crèche, traiteur, association, les projets sont nombreux, mais la création d'entreprise peut virer au parcours du combattant. Les femmes sont plus souvent isolées dans ces démarches. La France compte seulement 30% de femmes créatrices d'entreprises. L'ADI et Initiative ont donc présenté leur dispositif. Alors concrètement, quand quelqu'un a un projet de création d'entreprise, il peut s'adresser à l'ADI pour faire une demande de financement. Parce que l'ADI propose ce qu'on appelle un microcrédit, qui est un montant qui est de 10 000 euros maximum et qui s'adresse à toutes les personnes porteuses de projets ou entrepreneurs qui sont donc déjà installés et qui ne peuvent pas avoir un financement bancaire pour pouvoir développer ou créer leur entreprise. Initiative 95 organise chaque mois un cercle des créatrices, ouvert uniquement aux femmes. De son côté, l'ADI du Val-d'Oise a financé 135 personnes en 2014, dont 44% de femmes.